Le festival Cirque d'été organisé par la ville de Niort s'ouvre ce soir à 19h avec un spectacle exceptionnel. La funambule Tatiana Mosio-Bongonga évoluera jusqu'au sommet du donjon sans longe de survie. On va faire une grande marche funambule entre la grue qui est juste derrière et le donjon de Niort. Le spectacle va durer environ une demi-heure. On va être 55. Il y a 40 personnes qui tiennent ce qu'on appelle des cavalettis, c'est des cordes qui sont à cheval sur le fil et qui permettent de le stabiliser pour pas qu'il bouge de gauche à droite. Et en fait, ces personnes, c'est des habitants de Niort avec qui on répète depuis hier. Pour faire ce genre de performance, déjà j'ai 30 ans de pratique du funambule, donc c'est déjà bien ancré dans le corps. Et à chaque fois, quand on arrive dans une implantation comme celle-là, il y a toujours un fil qui est mis à 50 cm du sol et un autre fil à 2,50 m, ce qui me permet de pouvoir m'entraîner. Ici, la spécificité, c'est qu'il y a quand même pas mal de vent, c'est assez dégagé. Donc on va voir comment est-ce que ça va souffler ce soir. Hier, il y avait une bonne brise. On espère qu'il y aura autant de monde que, je sais pas, moi, pour un peu d'artifice, on va être très optimiste.